Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau, l'anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà Ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ Pour ça je vous ferai un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot des jeunes sorcières En édition française qui est sortie aux éditions intuitives euh, ça c'est du mass market, vous le retrouvez très 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 facilement. Voilà chers amis. Allez, on est parti, on va voir un petit peu quelle bonne nouvelle la les guides. Honte à vous annoncer, on va voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Déjà, en dos de deck, on a quoi On a le 5 de denier, mais on a quand même un petit couple qui s'embrasse. Hein donc ça peut annoncer là des euh, rendez-vous amoureux. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va avoir du message annexe, on a du 3 de bâton. Il euh, y a quelqu'un qui fait un premier pas vers vous. Euh, ce que je ressens là, c'est que vous pouvez recevoir une invitation de la part de la, de la personne de votre cœur. Ça engendre un déplacement pour pouvoir se voir, mais il peut y avoir vraiment une invitation. On a le 2DP, pour l'instant vous n'en avez absolument pas conscience, hein, d'accord, l'invitation n'a pas, pas encore été envoyée. Euh, mais ça ne saurait tarder. Donc, il est possible que dans les jours à venir, la personne de votre cœur vous invite ou se déplace jusqu'à chez vous. En tout cas, on va faire un premier pas à votre égard. On a le 5 d'épée suite à une dispute. Hein. C'est dans un objectif de se réconcilier. Donc, on a quelqu'un qui ravale son égo, qui met sa fierté de côté. La personne de votre cœur ravale son égo, met sa fierté de, sa fierté de côté. Euh, suite à une dispute entre vous pour essayer d'apaiser les choses et pour euh, une réconciliation, c'est en tout cas ce que les guides sont en train de me dire. Bon, bah super, tant mieux, on aime bien ça. Ouais, il y a eu une grosse dispute. Oula Il y a, hein. a peut-être eu de la vaisselle brisée là aussi. hein Il y a eu grosse, grosse dispute. Mais cette personne, de toute façon, euh, elle a pris conscience quand même de certaines choses. Peut-être que pour une fois, vous vous êtes rebiffé, que vous vous laissiez faire jusque-là. Mais là, un coup... Euh ça a rué un petit peu dans les brancards et cette personne va vous reconnaître que vous aviez complètement raison. Je ressens vraiment l'ego qui s'effondre. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a l'ego qui s'effondre chez la personne de votre cœur. Il est possible également qu'il y ait eu une foudre karmique hein, qui a un peu mis le faux poudre. Alors non seulement il y a eu dispute, mais en plus derrière, euh, il lui est arrivé quelques malheurs, on va dire, à la personne de votre cœur qui lui a remis bien le cerveau en place. Bon, bah, écoutez. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir Alors, qu'est-ce qu'on a On a le 10 de bâton. Il y a eu un ras bol général. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais il y a eu un ras bol général. Il y a eu une accumulation et ça a pété en fait. Ça a pété. Il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase entre vous. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, mais mine de rien, euh, voilà. De, là, on a quand même quelqu'un qui va avoir une idée de génie, qui va réagir de manière, peut-être pas sur le coup. Hein, sur le coup, ça n'a pas réagi de manière intelligente. Mais là, voilà, il y a le cerveau qui est remis à sa, à sa juste place et cette personne va vous reconnaître que vous aviez totalement raison et que c'était un petit peu normal que vous soyez en colère. Bon, écoutez, allez bien. Alors déjà c'est parti pour des réconciliations là dans les messages annexes. Bon bah ben, super. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, visiblement on n'a pas d'autres messages annexes, mais on, on s'est déjà bien marré. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. J'espère que vous aussi. On a le diable et le soleil. Ah là 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 là, j'adore. J'adore la combinaison des deux. Pourquoi Parce que ça annonce quand même euh, la euh, la réunion des âmes sœurs. Euh, cette personne, elle ne peut pas se passer de vous. Elle est complètement addicte à vous. Elle est complètement accro de vous. Et vous êtes son grand bonheur. Et il y a vraiment une peur de vous perdre. Mais en tout cas, on peut être franchement chez un couple quand même qui est fait euh, qui est fait l'un pour l'autre. En tout cas, ce qui est annoncé, c'est que il va y avoir de la réconciliation sur l'oreiller. Euh, il va y avoir euh, on parle des partenaires de vie, il y a quand même une alchimie, aussi bien au niveau des âmes, qu'au niveau des corps, qu'au niveau des cœurs, bon voilà, qu'au niveau de l'esprit. Bon, vous êtes un beau mélange quand même, là, tous les deux, vous êtes quand même sérieusement fait l'un pour l'autre, et puis, bah, de temps en temps, en effet, quand il y en a un qui tire un petit peu trop sur la corde, quand il y a une accumulation, eh bien, ça peut partir un petit peu en dispute, mais là, il y a vraiment de la réconciliation sur sur l'oreiller et qui va faire plaisir à tout le monde, enfin clairement. Hein. Bon, les disputes, ça sera ça sera ça sera se réconcilié après derrière. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo Alors, j'en profite là pendant que je pose des cartes pour vous dire que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Sachez juste une chose, c'est qu'actuellement je suis en vacances. Hein. Les consultations privées reprendront à partir de la mi-août, mais je réponds même pendant mes vacances, quand même assez régulièrement, aux mails. Donc n'hésitez pas à venir me demander les modalités. Sous la vidéo, vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout là-bas aussi. Je vous propose des tirages sentimentaux. Intemporel à questions et à choix, vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo et ça peut vous permettre d'obtenir de vraies réponses. Donc n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Et puis euh, vous pouvez également retrouver mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Alors Instagram, c'est pareil, hein, ça reprendra à la mi-août. Là pour l'instant, je suis en congé. Alors parce que Instagram, je propose des lives hein, là-bas, hein, des live euh, des lives charms. Voilà. Allez, on est parti, alors on démarre par quoi On démarre par la reine de bâton, ah bah la reine de bâton on n'est pas réputée pour se laisser marcher sur les pieds sans rien dire, hein. <laughs> une première fois, ok, une deuxième fois, oui parce qu'on a deux pieds, ok, la troisième fois ça, ça passe plus du tout, la reine de bâton c'est la reine de feu, c'est une reine... Euh, qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qui peut s'enflammer, euh, qui peut qui a énormément de tempérament et qui ne va pas se laisser faire. Ça peut représenter bien sûr une féminine qui est euh, sous le signe du feu, un signe astrologique donc Bélier, Lion, Sagittaire. Je peux vous le dire, moi je suis ascendant Lion. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas un tempérament à me laisser marcher dessus sans rien dire. Hein. Donc je connais bien, je connais, je connais bien un petit peu la, la personnalité des reines de bâton. Hein. Je ressors souvent personnellement dans le tarot sous la reine de bâton. Donc euh, ouais, je connais bien, je connais bien le truc. Là clairement, on a une féminine ou un masculin. Hein, C'est possible, hein, messieurs, je ne vous exclue pas. Mais qui clairement euh, va mettre les points sur les i, les barres sur l'été, les églises au milieu du village, les pendules à l'heure, euh, à son autre, à la personne de son cœur, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus tolérables, voilà. euh, tout simplement. Donc euh, du coup, euh, ouais, ça peut ruer un petit peu dans les brancards en tout cas là ça traîne de bâton, elle, elle n'hésite pas à prendre des décisions, elle n'hésite pas à assumer les décisions qu'elle prend, elle n'hésite pas à assumer ses propos également. C'est... Tout est assumé, hein, même ses colères, hein, et même quand elle a tort. On a le 7 d'épée, ouais, pourquoi elle va s'enflammer Parce qu'elle va se sentir trahie. On a une reine de bâton là, qui va se sentir trahie. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, ça vous adaptez. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment senti euh, trahi par la personne de votre cœur. Il y, a eu, il y a eu quelque chose, il y a eu quelque chose qui vraiment ne vous a pas plu. Et on a quelqu'un qui va essayer, euh, bien sûr, de. Re... Il y a l'ego qui va se casser la figure, et puis, euh, et puis euh, cette personne, elle va essayer de réparer ses erreurs, et euh, vraiment. Euh... Mais je comprends. Dans ce qui ressort, là, c'est un petit peu normal que vous soyez senti trahi. Hein. C'est ce, ce qui ressort un petit peu. Bon, ok. On a le cavalier d'épée. Bon, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de la décision de prise, il va y avoir du ménage de fées aussi, parce qu'on a le, le beau balai, là, qui, qui est là. On peut avoir là un masculin qui va décider de prendre un petit peu le taureau par les cornes et qui va essayer clairement de revenir dans votre vie, mais de manière intelligente. Cavalier d'épée, là c'est le signe d'air. Hein, okay donc on peut avoir des féminines qui sont euh, sous un signe de feu, euh, des masculins qui sont sur un signe d'air, euh, ascendant astrologique ou c'est lunaire hein, aussi également. Euh, donc euh, signe d'air, verso, gémeaux et balance pour les signes d'air ou inversement hein, c'est vous qui êtes sous un sur un signe d'air et le et euh, la personne de votre cœur qui est, euh, qui est sous un signe de feu En tout cas on a quelqu'un qui va passer à l'action de manière très intelligente hein, d'accord on a quelqu'un qui va être capable de se remettre en question on a quelqu'un qui va savoir reconnaître ses erreurs on a quelqu'un qui revient pour réellement se faire pardonner là hein, euh, vraiment. On a le roi de denier matériellement, concrètement. Hein, ok, vous représentez en tout cas aux yeux de la personne de votre cœur la sécurité, ok, le bien-être, euh, l'accomplissement euh, au niveau sentimental. Donc cette personne elle va revenir concrètement et avec euh, ouais avec avec des des actions euh, solides, hein, euh, actions solides et, et durables. Bon, super. Super, super, super. Mais on n'a pas quitté les messages annexes, on est toujours dans la même histoire. Alors, on a le magicien, ça va être pour repartir sur de bonnes bases entre vous. Donc là, tout va repartir sur de nouvelles bases et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir apaiser les tensions et pour pouvoir repartir ensemble sur de nouvelles bases et de bonnes bases. Merveilleux. Et le 9 d'épée ouais, il y a eu de la dispute, il hein. y a eu du conflit et euh, il va y avoir un petit peu, euh, non seulement euh, c'est assez amusant, hein. euh, il va y avoir un petit peu là de la personne, de la part de la personne qui s'est sentie trahie En l'occurrence vous, euh, ça va être euh, là, attention, hein, garde-toi, une fois pas deux. Il y avait vraiment, et ça va pas plaisanter, hein, c'est pas du bluff, hein, c'est pas, euh, pas, euh, pas des paroles en l'air. Hein, et cette personne, elle aura très très bien, hein, la personne de votre cœur, a bien conscience que c'est pas du bluff. Hein, c'est, attention, là, hein, euh, une fois pas deux, hein, je te le dis. Hein, c'est, euh, je t'accorde une seconde chance, mais il n'y en aura pas de troisième. Et ce n'est absolument pas du bluff. Absolument pas du bluff. Donc là, vous allez lui mettre un coup de pression quand même, hein. mais un coup de pression qui sera loin d'être inutile, qui sera efficace et qui sera réel, qui sera sincère et, euh, et qui sera, les guides sont en train de me donner le mot, justifié. <laughs> Je sais pas ce qui s'est passé, mais si le coup de pression est justifié, c'est qu'il y a de bonnes raisons. On a le 4 de bâton, bon suite à ça... 4 de bâton, normalement, c'est assez étrange qu'ils l'ont qu mise en mode repos. Là, le 4 de bâton, ce serait plutôt le 4 d'épée qui serait dans le rider White smith dans cette position-là, dans cette position de repos. Le quatre de bâton, ça représente le succès, en fait. Ça représente quelque chose qu'on a fêté. Donc vous allez pouvoir fêter vos retrouvailles, en fait, ensemble. Et il y a les conflits qui vont s'apaiser entre vous. Il y a des vraies réconciliations entre vous. Et ce que je peux vous dire, c'est que la personne de votre, de, de votre cœur, elle a compris la leçon. Elle, là, je vous garantis, c'est limpide hein, pour moi. Hein. La personne de votre cœur, elle aura compris la leçon. Ce sera un vrai mea culpa sincère, profond, compris. OK euh, le coup de pression en effet, il est nécessaire, il sera justifié, mais elle va s'y tenir. Elle va s'y tenir, elle va respecter euh, elle va vous respecter. La personne de votre cœur, et elle va respecter le compromis et les réconciliations que vous allez établir ensemble. On a le 6 de coupe, ça fait j'ai quand même l'impression que ça fait un petit moment quand même que vous pouvez être ensemble, que vous pouvez être tous les deux vous vous connaissez, alors soit c'est votre âme sœur, hein, vous vous connaissez d'une autre vie, soit ou alors le couple il remonte quand même un certain temps, et mais la flamme elle existe toujours quand même euh, entre vous, et puis il y a vraiment une idée, cette personne a vraiment pas envie de vous perdre, elle se raccroche à vos souvenirs, elle se, rappro elle se raccroche également... Euh, à vos tout débuts, euh, à la naissance de la passion entre vous, ce genre de choses, vous allez aussi euh, peut-être vous remémorer des bons souvenirs et à terme, ce qu'on est en train de me dire, c'est que à terme quand il y aura bien de l'eau qui aura coulé sous les ponts, en fait, ce qui s'est passé entre vous là, cette espèce de gros coup de pression, cette espèce de gros euh, grosse dispute, euh, en fait, vous finirez par en rire mais pas tout de suite. Hein. <laughs> Bien plus tard, une fois que l'eau aura coulé sous les ponts, vous finirez par en rire. Ça, ça restera un souvenir qui fera partie du couple, de votre couple. Donc vous êtes quand même parti pour durer. Vous êtes même si vous êtes fâché, même si vous êtes colère là après la personne de votre cœur, vous êtes quand même parti pour une belle réconciliation avec lui, avec elle. Et c'est un couple qui est fait pour durer. N'en doutez, ouais, moi j'en doute pas. On a l'empereur, mais bah ouais, vous allez retrouver la stabilité. Vous allez rester ferme et axé sur vos positions. Oh, typiquement, la reine de bâton. Hein. Ça va être, mais il y a une stabilité retrouvée entre vous et vous allez reconstruire ensemble tranquillement. Donc, je dirais que là, dans les jours à venir, ce qui va se passer, alors, j'ai l'impression. Alors, il est possible. Il est possible. Pour l'instant, j'ai l'impression que la dispute, elle a eu lieu très, très récemment. Et que pour l'instant, clairement, vous qui êtes en train de me regarder, vous faites sérieusement la tronche. Alors vous faites la tronche à la personne de votre cœur pour ne pas dire que vous êtes quand même un chouïa, et je pèse mes mots, hein, un petit peu beaucoup en colère vis-à-vis -vis de la personne de votre cœur. La personne de votre cœur, elle est en pleine remise en question, elle a, elle a été prise, j'ai l'impression, c'est marrant, on est en train de... On est en train de me montrer un gamin qui se fait prendre la main dans le sac en train de, de piquer des bonbons dans la cuisine. Mais vraiment la main dans le sac, la main dans le sac. je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a été pris en flagrant délit. La personne de votre cœur a été pris en total flagrant délit. D'où cette espèce de trahison. C'est-à-dire que peut-être que par le passé cette personne vous a promis de ne jamais recommencer. Ça peut être, ça peut être des sujets divers et variés. Franchement, ça peut vraiment être des sujets divers et variés soit de charmer quelqu'un bon ça va pas trop loin non plus on hein. sait pas de la haute trahison non plus ça va pas trop loin soit de de s'apercevoir que cette personne elle discute avec d'autres femmes d'hommes d'autres hommes et que bon bah vous ça va pas vous plaire et que cette personne vous avait promis de ne jamais recommencer euh, ça peut être, on parle d'argent aussi, hein, donc il euh, euh, y a peut-être, là, la personne de votre cœur, elle a peut-être euh, un petit souci avec les jeux d'argent, elle avait promis de se calmer, et puis finalement, elle a fait une grosse bêtise, qui a fait un gros trou dans le compte en banque du couple, voilà, par exemple. Euh, c on me montre aussi, alors c'est marrant, on est en train de me montrer les collectionneurs aussi, donc euh, peut-être les souvenirs d'enfants, par rapport à ça. Peut-être que la personne de votre cœur avait des parents collectionneurs, faisait les brocantes, les basils. On est en train de me montrer ça. Ouais, franchement... Et, et que du coup, elle, elle vous avait promis de se calmer dans sa collection, dans sa... Euh, on peut avoir quelqu'un qui est fan, en fait, de, de quelqu'un et qui collectionne les objets dérivés, euh, voilà. Et là, eh bien, ça fait un trou dans le portefeuille. Vous voyez, ça peut être divers et variés. Hein. Là, je vous ai donné quelques exemples qu'on m'a montrés, mais il y en a bien d'autres. Hein. Il y en a bien d'autres. Donc, vraiment, il y a... Une notion, oui, je te promets, je vais me calmer. Et en fait, non, ça, a... enfin, voilà, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce qui, ce qui coïnciderait bien d'ailleurs avec les messages annexes qu'on a eus, c'est-à-dire que avant d'arriver à cette grosse colère, il y a eu une accumulation. On avait le 10 de bâton. On avait le 10 de bâton. Et ça, on en arrive au 10 de bâton quand on accumule, quand, quand l'erreur se répète plusieurs fois. Bon, là, Visiblement, le dire gentiment, ça n'a pas fonctionné. Cette personne, elle vous a fait des promesses qu'elle n'a pas su tenir. Et là, il va y avoir, vous allez mais péter un boulard. Mais vraiment, hein, péter un boulard et ça va être et ça va plus bluffer du tout quoi. Ce sera pas pour repartir comme en 40. et ce sera la dernière fois qu'il jouera avec, euh, il ou elle jouera avec votre confiance. C'est la dernière fois. Que vous êtes arrivé à saturation. Sauf que comme vous plaisantez pas du tout, eh bien en fait il va y avoir un véritable effet boule de neige sur la personne de votre cœur qui sait très bien que là c'est bel et bien la dernière fois que c'est pas du bluff que c'est pas du bluff. on a quelqu'un qui peut trouver une solution pour se calmer peut-être dans une certaine addiction dans une, dans une forme. Ouais, de, de collectionnite, on va dire, euh, dans une forme de, je peux pas m'empêcher de discuter, de dragouiller, euh, de charmer, parce que voilà, euh, on a quelqu'un qui va trouver, euh, la personne de votre cœur va trouver le moyen en fait de réussir à régler son problème parce que vous avez vraiment, vraiment mis le doigt sur un problème, sur une forme d'addiction en fait, sur une forme d'addiction. L'addiction, ça peut prendre tout un tas de euh, tout un tas de formes hein. c'est pas forcément des addictions euh, à des substances un peu bizarres hein. c'est ou légales ou non hein. d'ailleurs euh, voilà euh, c'est pas forcément ça on peut avoir tout une tout un tas de panels d'addictions en fait hein. euh, moi quelque part si je suis très honnête, bah j'ai une addiction à quoi et je suis une collectionneuse de quoi bah Je suis une collectionneuse de tarots et d'oracles. Je suis toujours en train de chercher la petite pièce, sauf que j'ai deux comptes à rendre à personne <laughs> parce que je suis célibataire. Et puis ma, ma seconde, ma, ma seconde addiction. Mais c'est vrai en plus. Hein, c'est en, boute en bouteille, mais c'est pas de l'alcool, mais c'est un soda très particulier dont je ne citerai pas la marque et, et sans sucre. Euh, et ça commence par un P, ça termine par un Max. Et ça fait EPSI. Mais <laughs> ben ça, c'est mon addiction. Je ne peux pas m'en passer. Il faut qu'il y, le... qu y en ait à la maison. S'il si n'y en a pas, je... voilà. ce sont mes deux grandes addictions. Euh... Plus une autre qui n'est pas bien. <laughs> Plus une autre qui n'est pas bien. Euh... Euh... Oui, que j'ai pas réussi à me débarrasser, mais qui n'est pas illégale. Voilà, qui n'est pas illégale et c'est pas la coca <laughs> Je ne bois pas d'alcool. Mais je comprends, en fait, il peut y avoir. C'est pour ça que là, le, le terme de collection de collectionneur, de collection de, de collectionnite, un peu comme ça, d'être fan d'un truc et puis du coup il, il faut aller acheter tous les objets dérivés, ça me ça me parle bien. Ça peut être un collectionneur de timbres, un collectionneur de pièces, un collectionneur de tout ce que vous voulez. Euh, ça peut, être, euh, ça peut être un fan de, euh, je sais pas moi, Claude François, Johnny Hallyday, euh, Dalida, euh, Elvis Presley, euh, j'en sais rien, euh, je, je vous donne un peu euh, tous ceux qui me viennent. Mais là, il y a un ras il y a un ras parce que ça, ça a trop affecté le couple en fait. Et on a la personne de votre cœur qui remet vraiment beaucoup de choses en question, qui n'a pas envie de vous perdre, ça c'est sûr, vous, donc ce qui provient que vous passez quand même avant euh, sa, sa, son addiction et qui va trouver le moyen, une idée de Jenny pour réussir à, pour euh, réussir à calmer en fait euh, le jeu et son addiction hein, ok et je ressens des joueurs aussi hein, ça peut être des joueurs il va faire preuve de sagesse il va faire preuve de sagesse il peut même se faire aider euh, c'est possible il peut se faire aider d'un point de vue énergétique ou en allant voir euh, quelqu'un de compétent un médecin spécialisé euh, voilà hein, d'accord donc il va fournir de vrais efforts concrets euh, parce que, quelque part, là, vous avez mis le doigt sur un vrai problème. Vous avez mis le doigt sur un vrai problème et il est grand temps, en fait, que ça se calme et que ça, ça, que ça s'arrête. Bon, bah, très bien. On a la lune. Alors, <coughs> ça, euh, cette personne, elle a quand même... Euh, vous avez touché un point très sensible. Vous avez été touché, euh, de par cette dispute, un point qui est, très, euh, qui est très, presque très intime. Euh, vous allez peut-être au départ vous allez avoir peur en fait euh, que cette personne elle vous mène en bateau que cette personne vous allez avoir tendance peut-être à surveiller un petit peu ce qui se passe à être vigilant euh, et à voir ce qui se passe quand, quand vous avez le dos tourné parce que j'ai l'impression que cette personne c'est pas la première fois en fait qu'elle fait des trucs dans votre dos quand ben, quand vous avez le dos tourné justement mais c'est par rapport à une problématique très 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 spécifique donc il va y avoir de la méfiance hein, quand même au départ hein. mais après il y a vraiment de la réconciliation il y a... et cette personne elle va vraiment prendre euh, les choses en main pour pour se soigner pour se soigner et c'est quelque chose de très profond en fait c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense bon on a le 8 de bâton et cette personne elle va réagir très rapidement très très rapidement déjà elle va revenir dans votre vie pour s'excuser de manière très très rapide et elle va prendre les choses en main très très rapidement aussi elle va pas elle va pas prendre, euh, attendre des lustres avant de prendre les choses en main et avant d'aller guérir de tout ça avant de, de, de prendre les choses en main donc pour moi dans les jours à venir il va y avoir le grand retour de cette personne qui prend les choses en main qui prend les choses en main pour améliorer euh, la situation et on a le 6 d'épée, ça va être une nouvelle aventure euh, vraiment, elle a un petit peu peur de l'inconnu, elle va avoir besoin de votre soutien, mais néanmoins, vous avez tout ce qu'il faut pour vous réconcilier et pour pouvoir continuer votre belle histoire d'amour. Eh ben, tout un programme, là, dans les jours à venir. Et hein. euh, donc, ouais, 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 là, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Eh ben, m'attends. c'est la première fois que j'ai ce type de, euh, de message pour les TDJ du, so... du soir, ouais, c'est ouais, ouais, bien la première fois. Euh, mais écoutez chers amis, moi je vous embrasse tous très fort je vous souhaite à tous une excellente soirée on se retrouve bien sûr désormais mercredi matin pour, vos tira pour votre tirage sentimental merci à tous pour vos likes et pour vos abonnements que ce soit ici ou sur ma chaîne le qui voit tout, merci infiniment à tous et puis bah, excellente soirée à tous tenez bon, vous avez bien raison restez sur vos positions et puis, euh, mais ça va s'arranger je n'en doute pas, voilà allez, excellente soirée à tous, à mercredi Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.